Donc je vais reprendre à partir du chapitre 4 au début. On n'avait pas encore touché. Alors qu'Aïda cherche Luis, elle est prise d'un malaise et perd connaissance à son réveil, se retrouve face à Wesker qui semble très mécontent. Aïda reprend sa mission et retrouve Luis, mais l'homme est toujours dans le château. Les deux doivent retourner le récupérer. Sûrement pas prévu de revenir ici, hein? Bah, la vie est pleine d'imprévus, non? T'es fâché? Ok, t'es fâché. Bon, il y a juste un petit truc que je dois faire avant de récupérer l'ambre. Avant? On n'est pas en train de négocier, Luis, alors fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Écoute, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Et tu me connais, je suis un bon samaritain. Laisse-moi deviner, Léon? Oui, c'est ça. Léon et cette jeune femme, ils sont tous les deux infectés. Il leur faut ce médoc, il ralentit l'infection. Et je sais qu'il marche. Je l'ai utilisé sur moi-même. Donc... Et en quoi ça peut m'intéresser? Parce que toi aussi t'es infecté. Ça fait des années que j'étudie ça, Ada. Et je peux voir les symptômes apparaître dans tes yeux. Tu dois déjà ressentir les effets, non? Le médoc les arrêtera pendant un temps. Juste, fais-moi confiance. Tu as tout à gagner. Et rien à perdre. Ok, mais là, c'est ta dernière chance. On s'occupe de ça. Et ensuite de l'ambre. Ok, bah Ida, elle n'est pas là pour parler. Elle n'est pas là pour le business. Hop, des pesetas. Voilà, c'est Luis. De la ferraille. Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao. Désolé de t'avoir fait attendre. On y va? Hop, un peu de ferraille par-ci, par-là, on a encore quoi en balle? Eh ben, on n'avait plus grand-chose, hein. Les dames d'abord? Trop galin. Parfois plein de mûnes. On va faire. Oups. Je sais pas pourquoi le jeu il fait ça, mais bon, bref. Je sais pas. Attends. J'ai rien touché. Ah, c'est mieux. Alors. Donc là, le chapitre 4, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va recharger toutes nos armes, bien sûr, à fond. Ok, on peut pas aller par là, je suppose. Non. Bon, là, normalement, on a tout récupéré. Bon, il y aura des trésors à aller revoir. Donc, ok, on n'a pas le choix, faut descendre. On n'a plus de balles de mitraillette, on fera avec. Ah, je sais où on est, ok. Là, il va falloir se refaire d'équipement et fissa parce que, à mon avis, on va pas s'ennuyer, j'ai l'impression. Il y a un laboratoire caché en bas. Mon matos devrait y être. Très bien, les médicaments aussi. Un peu de poudre noire en plus.
Encore des balles de fusil à lunettes, ça c'est cool. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, Ada? De la bouffe pour parasites. Mourid, pour toi, Ida. Il y a quelque chose qui brûle. On sera vite fixé. Poudre noire, ok, bon. Ada, ils sont là. Évidemment. Oh, il y a du peuple. À toi de jouer. Merci. Merde, j'ai pas esquivé, tant pis. Oh, j'ai pas eu le temps, c'est moche. Alors, si un autre, et l'autre il m'a. Ok. Je le trouve un peu plus dur, c'est pareil, Twitch, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui brûle. On sera vite fixé. Bon, on se refait un peu stop de balles. Ils sont là. Évidemment. Oh, joli. Voilà, double coup là. À toi de jouer. Alors, ok, toi tu m'as énervé. Merci. Hop, boost. Oh putain. Notre couteau est déjà cassé, ça s'annonce bien. Bon, au moins on récupère un petit peu de balles de pistolet en plus, ça c'est le plus important. Bon, on va reprendre la poudre. Je sais plus si j'avais tout collecté avant. Ouais, j'avais tout pris. Dès que possible, il va me falloir reprendre l'arbalète. Ça me fait chier de pas de l'avoir, mais bon. Pas avec. Sinon, pour des grandes munitions, on peut fabriquer quoi, de la du TMP et aussi. Ok, ok. Donc là, on est pas mal. Oh oh. Absolument qu'on récupère le médicament. Louis, laisse tomber. Oh, il est têtu, hein. Louis. C'est bien. Sérieusement. Par la fissa. Louis, reviens ici. Et respire pas la fumée. Allez.
une chose est sûre, c'est pas par là. Mais faut pas traîner. Salut Squash, comment tu vas? Eh ben. Quel fou ce celui-ci. Attends au moins de m'avoir donné l'ombre. Y a plus rien. Tout a cramé. Pourquoi c'est si important pour toi? Ah, Nurtic, ouais. Faudrait que je m'y mette vraiment à faire le cas. Hein. J'avais juste démarré le jeu. Mais maintenant, c'est mais je vais essayer de regarder un peu de vidéos pour comprendre un peu le fonctionnement avec les bandes et tout. Je peux rien faire pour eux. Ressaisis-toi. En ce moment, je me suis remis à Evil Genius 2 et je me remets tranquillement sur Edge of 2 pour les prochaines campagnes. C'est peut-être jouable. Tous les ingrédients sont là, dans le château. Il me faut. Le champ congé, donc on profite un peu pour 10 jours. Je te promets que t'auras l'ombre. D'accord, on y va. Ok, la carte est mise à jour. On a qu'à remonter par là. Alors, je récupère tout l'équipement que je peux parce que le combat contre le boss, là, le gigante dans la précédente partie, ça avait cramé pas mal de mes munes. On vérifie qu'il n'y a rien. Non. Bon, c'est tout ce qu'il faut dire. Ah, ça c'est un beau programme ça. Peut-être que je jetterai un oeil. Munitions TMP, je prends. Ok. J'ai rien oublié, non. Un autre tonneau, je prends. Encore de la tunasse. Hey. Pour qui tu travailles, au fait? Vaut mieux que tu le saches pas. Grande ferraille. Bah, tu peux bosser pour le diable, je m'en fous. Comment tu me fais sortir d'ici? Poudre. Faut que je grimpe, il y a l'air d'avoir un trésor là-haut, j'ai l'impression. Oh, attends, non, il est pas là le trésor. Je me demande. Tiens. Tu vas voir qu'il est tout en bas. Non, il est pas là non plus apparemment. Y a rien hein. Attends. Bah voilà. Me disais. D'accord. Alors qu'est-ce que tu nous as de beau? Oh, de l'or. Il est l'or, monseigneur. Ça rapportera pas mal de fric au moins. Moi qui en cherche pour améliorer ma mallette. Voyez,
Je vais ouvrir la... Hein ? Où est la clé ? Et merde ! J'ai dû la faire tomber. Bon, ok, va falloir encore aider ici. On va redescendre, c'est ça ? Non ? Non, je reviens d'où je viens, en fait. Ok, je me suis planté. Ah, j'ai toujours eu du mal dans le passage du remake ici. Avec ces foutus tours à la con. Essayer de se remobiliser. Voilà. Ok. C'est avec les moyens du bord. Mais ça devrait marcher. Ada, trouve ces ingrédients. Et alors peut-être que je pourrais refaire le médoc. On a peu de temps. Vas-y, trouve-les. Moi, je vais chercher l'ambre. On croise les doigts. De toute façon, pour le médicament, on n'a pas le choix. Alors voici ce qu'il nous faut. De l'encre rouge dans l'atelier d'enluire, une bouteille dorée dans la salle de toit, et un papillon bleu dans la salle de collection. Les minéraux contenus dans l'encre, la levure dans la bouteille, des substances dans les écailles du papillon. Chacun de ces éléments possède des propriétés dont je dois vous fabriquer l'inhibiteur. En extrayant les ingrédients et en les mélangeant avec les produits chimiques que j'ai sous la main, ça devrait marcher. On sait pas. Merci. Bonne chance. Toi aussi. Ok. Voilà. Ok, d'abord l'atelier de reliure. Ok, oula. Et mon couteau est cassé, quoique, attends. De la poudre. Bon, le couteau de cuisine aura fait son office. Ah, les fameuses pierres lithographiques. Bon, il nous en faut combien? Il nous en manque encore deux. Il n'y a pas d'autres trésors dans le coin, non. Ça doit être mon destin. Ouais, Raccoon City surtout. Allez, encore un peu de poudre. Non, il faut encore un slot, un truc de poudre. J'ai de nouveaux articles étrangers, tu m'en dis. Ah, notre ami le marchand, ça fait plaisir de le revoir. Bienvenue, étrangère. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. J'achète une affaire bien conclue. Être méticuleux jusque dans les moindres. On va voir la reine 9, mais ça m'intéresse pas avec Elda. Je trouve que l'arme est plus adaptée à Louis ou à Léon, quoi. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Tiens, étrangère. On a plus de spinel, ok. Trésor ou babiole, ça fait plaisir de faire affaire avec toi. On peut pas améliorer l'arbalète. Bon, je pense qu'elle est déjà très forte. De dénicher des trucs dans... Voilà, j'ai enfin mon arbalète, c'est carreau explosif. Ça devrait aider.
Alors, création de munitions de fusil plus 15%, ça peut servir le fusil, on a vu ce que ça valait. On cherche, allons vite résoudre cette énigme, donc on l'a déjà fait. Ce marchand passe un bon moment alors que ça sacré. Mais il se fait du fric, hein. Il a raison. Il a raison en un sens. C'est un peu le Lord of War, c'est un peu Nicolas Cage dans Lord of War si je dis pas de bêtises. Alors, la rouge et la bleue. Alors là. L'éventail va là déjà, on le sait, on est bon. Ok. Comme ça, lui, il va là, logiquement. Voilà. Bon, rien n'est bien compliqué, hein. Un peu de logique. Oh, les rats, il m'avait pas manqué. Je vais essayer d'être discret ici. J'ai pas trop envie de faire du bruit avec s'il y avait des chaînes. Le premier ingrédient doit être dans cette pièce. Pourquoi il y a des armures là? Oule, ouais. J'ai préparé un mot pour acquérir le tirer Julio. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'encre, il suffit de tirer. Alors il y a un bouclier avec une abeille apparemment. Une herbe rouge est toujours utile. Un bouclier avec un lion. Non, c'est pas lui. Bon, déjà, je vais piquer la caisse ici. Attends, il y a des munitions de pistolet. Hop, 20 munitions, c'est très bien. Alors attends, j'essaie de revoir la petite truc là. Il y en a un, ça a une sorte de. Il y a 5. 1, 2, 3. Donc un, il faut que je frappe sur un grand bouclier, un petit. Je crois qu'ils sont pas au même endroit de ce que je comprends. Ah bah, c'est juste ça, ok. Le tiroir, c'est sûrement l'encre. Ok, l'encre rouge, c'est fait. Alors de la visite. Ah, tiens, tiens. Un air de déjà vu. Je te conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai? Eh ben, précisant, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Et c'est le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes.
Alors tu travailles pour qui cette fois ? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait ? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement ? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois ? Bah, Léon, il n'y avait pas un level, hein. Depuis Raccoon City, c'est plus la même, c'est plus le même. Encre rouge acquise. À plus tard, Léon. Grenade aveuglante, toujours utile ça, une bonne grenade aveuglante. De la poudre. J'ai entendu un bruit d'iris par là. Ok. Bon, je vois si j'ai rien loupé normalement. Non. Ah, son grappin, il est classe quand même. Hein. On va dans l'animation, j'ai l'impression. Alors, il y a un cerf avec une balance. Une. Symbole sur le gong et la porte. Ok, encore de la mine de mitraillette. Ok, c'est pas mal. J'ai quand même accumulé un peu de poudre. Alors, il y a deux serpents. Un là. Ok, j'ai compris. Je vais recharger pour que je dise. Bon, là on fait plein de ferraille, ça c'est cool. Trois aigles. Jusque là ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mal. On est deux. Oh shit! Qui a imaginé ce truc? Trois ailes. Il est où le dernier? Il est là. Vite. Ok, alors, il y a quoi? Le dernier. Non. Oh. Ouais, je veux bien, mais il est où le dernier? Bon bah merci hein. Bah là je suis mort. Oh, je l'ai pas vu, hein. Ah, ça serait drôle, j'avoue, mais... Bon, on va tout refaire.
c'est logique. La vie ne tient qu'à un film, même pas en Iron Man, c'est ça. Le même symbole sur le gong et la porte. Rien de compliqué. Alors, j'essaie de reprendre les observations. Là, c'est que du serpent. Pas pourquoi, mais je le sens mal. Ah bon? Attends, c'est quoi ça? Bon, écoute, on va retenter, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Recule. Ok, 3 aigles. 1, 2, 3. Vite, grouille, grouille, grouille. Ok, jusque-là, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande ici? 3 poissons. 1, 2. Deux serpents. Casse le guépier. Bon, ah, c'est fait. En fait, j'ai dû tirer trop vite, je pense, tout à l'heure, c'est pour ça. Ok. Okay. Maintenant, le deuxième ingrédient. Oh, une boussole enseigne, ça fait du fric. Munition de TMP, c'est cool aussi. On dirait qu'il manque quelque chose. Une bouteille argentée. Évidemment. Voilà. Oh, putain. Ouais, joli. Ça va plus. Bon, il reste... Ouais, bien sûr. Voilà, comme ça, on fait sortir la tête de l'armure. Hop, et de deux. On va mettre la bouteille là, ok. Tiens, mon micro, on a eu marre aussi, parce qu'il faut se parler. Il n'y a rien d'autre normalement. Ça, on la récupère ici. Par contre, je crois que je vais me refaire quelques cartouches de pompe là, si je peux. Non, je ne peux point. Un peu de TMP, c'est bien. Enfin, mitraillette.
Ah, il faut une petite clé ici, on essaiera de revenir. Ok, ça sent le combat ici. Je crois savoir ce qui m'attend. Ouais, bah. Attends, on va éviter de la prendre. Quoi sur la table? Une poudre, 5 poudres noires, ok. Recharge en pompe. Faut pas oublier aussi que j'ai une grenade aveuglante, je sais que c'est efficace. Ah tiens. Il y en a combien de... Ça va. Ok, ils s'en fichent. Oh putain, ok. J'aurais dû attendre que la tête soit... Voilà, ça c'est fait. Putain de merde. Ok, ça va, ça aurait pu être pire. Je vais vite chercher mon équipement là. Wow, ok, il m'en rajoute au fur et à mesure. Ok, on a compris. Ok, on peut passer au milieu. Wow. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait d'autres, d'accord ça. C'est la fête, littéralement. Bon, on va essayer l'arbalète, hein. Voilà. Ok. Dégage. Oh shit. Ah putain, évidemment. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, dans le dos évidemment. Ah ouais, il faut toutes les buter jusqu'au bout, d'accord. Ok. La même merde. Ose me dire qu'il va falloir tuer toutes les armées jusqu'au bout. Comme ça, là, je fais ça.
Oh, bien sûr. Un peu d'herbe. Oh. Tiens. Encore une spin, on va essayer de... On va essayer de la battre celui-là direct. Ouais, si c'est possible. Hein. Ok. Je trouve le DLC. Hein. Alors c'est moi qui joue mal, hein. C'est peut-être une possibilité aussi. Oh, une Alexandrite, ça c'est toujours utile. Oh, le bel échec qu'il a, ça va faire du pognon. Ok, celle-là, ça ouvre ici. Comme ça, on la récupère ici. Logiquement, on n'a plus besoin de la bouteille d'or, d'argent. Ok, plus qu'un à trouver. Ça se voit, toi t'es du genre à abattre de la besogne. Alors, des médaillons bleus à abattre dans la cour, cette spinelle, ok. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une affaire bien conclue. Alors, le Black Tie, on peut augmenter encore sa puissance. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Le fusil, on va pas l'améliorer. Ma marque, tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. Tu sais, l'information a un prix de nos jours. Et dans ce de tir, ça c'est bien sur le Black Tie. Et attends, j'ai des choses à faire ici. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Oh, je savais que tu choisirais ça. Hey, très bon choix. Attends. Et là, j'ai profité de ce bracelet pour faire un petit duo. Deux. Voilà. Maintenant, bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Une affaire bien conclue. Ça, on va essayer de modifier quoi. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Voilà, un peu de puissance pour le TMP sera toujours utile. Et bonne route. Ok, bon. Ok, Louis. Et de deux.
Le dernier est dans une salle accessible depuis les remparts. Apporte-moi tout ça en haut de la muraille, et je te donnerai ton membre. Oh, et j'ai aussi récupéré quelques infos sur ce caillou. Je te les envoie. Ah bah. Et comme munitions de fusil en plus, je dirais pas non. Alors ici, je me souviens d'un truc, c'est qu'il y avait un poisson. Mais j'ai l'impression que c'est plus le cas. Un bleu velours en plus, c'est toujours bien. Oh putain, il y a le labyrinthe. Ça veut dire qu'on va devoir y aller. Oh non, pas de labyrinthe. Vraiment. Petite ferraille. Ah oui, j'ai encore un carreau d'arbalète équipé, on sait jamais. C'est plaisir de voir l'arbalète quand même. Hein. On avait eu l'arc de. On avait l'arbalète. L'arc de Krauser aussi, pas mal, de ce que je me de mes souvenirs. Ok, on a récupéré un peu de munitions de TMP, on va les prendre. C'est que 15 balles, mais ça peut avoir son petit effet. Un béret rouge, ok. Ça se prend. De toute façon, on peut pas retourner par là. Alors y aller, on dirait. Il y a 5 médaillons à trouver. Hein. Pour info. Oh, il y a. Oui, bah oui, bien sûr, Gloria Las Plagas, bien sûr. Tu pouvais pas juste me laisser passer. Ah. Grenade à venant, hop. Ta gueule. Oh, ça va être un relou. Oui, elle avait de la peau, j'ai pas vu. Loli. Voilà. Ah, oust. Ah oui, deux têtes de plus, bien sûr. Ça va, je vous en vous faites pas chier, vous. Merci. Bah tiens, bah vas-y, une troisième. Non, bah non, tranquille. Pas quatre tant qu'on y est. Tiens, 3 de plus.
Bonne nuit. Monte, monte, monte. Par contre, je relis le bug de texture là. Et... Alors qu'est-ce que j'aurais loupé encore? Oh, une lampe papillon, ça on le prend tout de suite. Voilà, 26 000, c'est pas mal. Oh là là, vous êtes trop doux, hein. Ah, parfait. Ouais, bon, le petit, c'est que ça fait du fruit qui diminue. Ah, il est chiant, lui. Vite, monte, monte. Ouais, bah oui, il fallait qu'il monte, bien sûr. MDR. Vite. Allez. Ah tiens, il en rajoute deux, bien sûr, pour embêter le monde. Merci. Oh bah il y a là le pilier de lune bleue. Voilà. Avec ça, je vais pouvoir construire. Ah, oust. Ah. Eh ben, ça en aura fait du pognon. Bon, on va chercher tous les médaillons pour la quête du... Là, il n'y en a pas. Il y a l'air d'en avoir un dans le coin, là. Là-haut? Ah bah oui. Sérieux là? On ouvre la 3, il m'en reste encore 2 à la trouver. Quatrième est là-dedans. Qu'il m'en reste encore un qui doit être au milieu, au centre, au cœur du truc. Alors j'ai récupéré tout ce que je peux en équipement. MP encore, ok.
Il est là le dernier, ok. Je crois que c'est bon. Peut-être de l'équipement là-haut, non? Bon. Ok, on a fait le plus dur. Enfin, j'espère. Bon, maintenant il faut qu'on remonte, je pense, pour aller là. C'est pas là. T'as là bien, je les déteste en professionnel dans l'original. Bon, bah, il y a de l'équipement en plus. Oh. Oh bah alors là, on s'est fait plaisir, on a bien fait. C'est d'aller par là. Oula. Ok, donc on peut pas aller là, mais il y a de l'équipement, tu me diras. Et pour qu'un peu d'ailleurs. Direction le dernier ingrédient. Bon, j'ai pas la petite clé malheureusement, mais bon. Un saphir de plus, ouais, ok. Oh non. Ce cri. C'est vrai, au fait. On a encore quelque chose à régler tous les deux. Bon. On va fabriquer. Voilà. Un peu de TMP en plus, ça sera pas de refus. Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Mmh. Oh non non. Ah. Léon, t'as laissé tomber ? Ada ? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein ? Ok, donc là on va essayer d'avancer, on va voir un peu ce qui nous attend. Alors, dans la tour, ça dit quoi? Il n'y a rien.
C'est quoi ce mantelet géant? C'est là-dedans, c'est ça? Ou juste. Ok, là on est bon. Descendre, on dirait ici. Ah si, on peut descendre là. Un nouveau rubis. Ici, il n'y a rien. Il y a des trucs là-dedans. Alors, attends deux secondes. Le pognon n'est pas mal. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Un sablier doré, c'est toujours utile. Donc on va faire quand même pas mal d'argent avec tout ça. Bon. On pourra faire le tour et réouvrir. Attends, on peut passer là en fait. Ou pas ici. Ouais, bah de toute façon tu peux que descendre, donc ça c'est fait. Ok, ça c'est bon. Sinon je peux pas aller ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dedans? Ça doit être la salle de collection. Le papillon bleu. Il est là. Alors, c'est le chef de... le restaurant de la collection est vraiment nul comme chef. C'est toujours moi qui coltine les dissections. Quand il daigne venir ici, tout ce qu'il fait, ça se débouche plus dans cette spécimen forêt, toujours dans le même ordre, avant de s'en aller. Je me demande bien ce qu'il leur trouve. Pourquoi ne pas s'attarder sur toi, ces spécimens, alors qu'on n'a pas que papillon exceptionnel, ça se dit chercheur. Intéressant. Alors, note d'Isidro, avril, 9 ans après mon avis. J'ai reçu une demande écrite de Mendes. Il veut que je pardonne à ce domestique qui s'est bêtement enfui. Il n'a pas l'air de comprendre. Ce n'est pas seulement une question de pardonner ou non.
Seule ma noble conquête compte, pour laquelle d'innombrables sacrifices sont nécessaires. C'est un honneur pour tous ceux qui vivent sur le territoire de notre maître. Et puis, éliminer ça de son cœur est tout bonnement impossible maintenant. Ma création jette une partie d'elle-même dans sa proie, manipulant sa conscience et emprisonnant d'un cauchemar éveillé. L'autre peut toujours essayer de s'enfuir, mais il reste soumis à sa volonté. Seul moyen d'échapper à ce tourment, il serait de la tuer, afin que l'entité intérieure de l'autre meure à son tour. Après tout, cette entité est constituée de cellules différentes incapables de survivre seule. Mais de toute façon, je ne connais personne qui soit fort, assez fort pour tuer ma Pesaenta. C'est bon à savoir. Alors, reprenons la pièce. Comment il fait? Ok, donc là, on a le scarabée en premier. Le cerf ou la chèvre en second. Et c'est une sorte de reptile. Ok. Scarabée, chèvre, reptile. Il y a un deuxième type de scarabée. Ouais, c'était pas. Et voilà, on a le papillon bleu qui est le troisième ingrédient. Tiens, j'ai tout ce qu'il te faut. Bien. Et moi, j'ai exactement ce que tu veux. Ça, c'est pas bon. Le parasite réagit à l'ambre. C'est ça, l'ambre. Tout à fait le genre de truc que Wesker recherche. Ça va endormir le parasite. Du moins pour un temps. T'es prête? À tout salaud. Oublie pas. C'est pas un remède. Va falloir virer cette chose de ton corps. Oh oh. Ah, il m'avait manqué. Je comprends pas ce qui se passe, ça devrait déjà faire effet. C'est parce qu'il est là, bien sûr. Prends l'ambre et va-t'en. Une fois le parasite endormi, t'auras qu'à me redonner cette foutue pierre. Je peux pas te laisser, pas dans cet état. T'en fais pas, ça ira. T'as une autre promesse à tenir. Ok, mais tu me rejoins dès que t'as fini. Ok. Bon, le gros est arrivé. On a réussi le chapitre. Hein. Bon, on a récupéré tout le maximum de trésors, sauf un qui en a oublié parce qu'on n'avait pas la clé. Et on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu, on est mort deux fois malheureusement, mais on a fait au mieux. Donc on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous, ciao ciao.